Je n'ai pas une communication ici. Je n'appelle même pas mon épouse. Donc je suis séquestré, carrément je peux le dire. Je ne suis pas à mesure de communiquer. Et vous venez en train de dire que j'ai amené un document falsifié. Non, c'est plutôt le ministère public qui a falsifié ce document parce que l'INLB ici a démontré que c'était un document venant de nulle part. J'ai dit. Et je vous pose la question autrement. Lorsque vous avez fait le test à Gisenyi, quelle pièce d'identité avez-vous présentée? Vous savez que la pièce d'identité que nous avons, c'est la carte d'électeur. Là, on ne montre pas la carte d'électeur. Quand vous entrez à la frontière du Rwanda ou n'importe quel pays, c'est le passeport pour vous récupérer. Je ne pouvais pas entrer au Rwanda sans présenter mon passeport. Ça, c'est clair. On pouvait le vérifier. Donc, l'AID qui est renseigné sur... C'est un faux. Non, sur la pièce que vous venez de présenter, le BY57964, peut-il renvoyer à votre passeport diplomatique? Non, ce n'était pas un passeport diplomatique que j'ai utilisé. Il faut vérifier voir quel passeport. Je ne me souviens plus de quel passeport. En tout cas, c'était un passeport congolais.